À Pyeongchang, en Corée du Sud. C'était lors des Jeux mondiaux d'hiver. Special Olympics Monaco avait alors glané 17 médailles. Deux ans plus tard, les athlètes nous ont donné rendez-vous à Los Angeles pour les Jeux mondiaux d'été, cette fois-ci, avec pour objectif de faire briller la principauté dans cette compétition qui leur tient à cœur. Nous les avons donc suivis aux États-Unis pendant une semaine pour vous faire vivre à leur côté ces moments inoubliables, des moments de doute, de joie, de pleurs, de performances et surtout de partage et de solidarité, car c'est ça l'esprit spécial Olympics. You are the stars and the world is watching you. By your presence, you send a message to every village, every city, every nation. A message of hope, a message of victory. Been walking through the park. I've been walking in the dark. I've been walking in the rain. Créée à l'initiative de Eunice Kennedy Shriver il y a plus de 50 ans, cette compétition réunit des millions d'athlètes à travers le monde. En mettant en place ces Jeux, la sœur du président Kennedy avait pour but de permettre aux personnes en situation de handicap de s'épanouir par le sport, mais aussi de faire accepter la déficience intellectuelle à travers cet événement. Objectif atteint donc pour Eunice Kennedy Shriver, qui depuis a passé le flambeau à son fils Timothy. It's an amazing celebration of the best of humanity. I mean, the question I keep asking myself is why can't the world be like this? And the answer is because we don't follow the right people sometimes. We follow people we think are powerful and rich and famous, but the real leaders in life are these Special Olympics athletes. All courage, all heart, all openness, all bravery. It's the right way to live. Ces Jeux mondiaux spécial olympiques se sont considérés comme la manifestation la plus importante organisée à Los Angeles depuis les Jeux olympiques de 1984. Et pour preuve, plus de 6500 athlètes venant de 165 pays avaient fait le déplacement dans la Cité des Anges. Parmi eux, les 27 athlètes de Special Olympics Monaco. Le 25 juillet dernier, ils prenaient part à la cérémonie d'ouverture au Memorial Coliseum, une cérémonie en présence de nombreux artistes et de personnalités, dont la première dame des États-Unis, Michelle Obama. Et c'est le regard émerveillé, la tête pleine d'ambition, que la délégation monégasque menée par Mireille Calme, présidente de Special Olympics Monaco, a participé au traditionnel défilé des nations. Six sports étaient au programme de ces Jeux. Monaco étaient représentés dans 8 d'entre eux. Nous allons passer en revue ces 8 disciplines et les différentes performances des monégasques. Et vous allez le voir, ils ont une nouvelle fois prouvé qu'ils sont des sportifs hors du commun. Et débutons par la discipline qui a ouvert le compteur de médailles pour la principauté. Stéphane s'est illustré sur 10 000 mètres en remportant l'or dès le premier jour de compétition. De quoi motiver ses collègues Anthony, Khadija et Thibaut. Thibaut justement est engagé aujourd'hui sur le poids, drivé par son coach Eric depuis les tribunes. Ses premiers jets sont hésitants, mais le troisième sera le bon. Il le propulse sur la première marche du podium. Vive émotion lors de la cérémonie de remise des médailles pour Thibaut et ses amis qui laissent éclater leur joie. J'ai gagné un polonais. Je m'appelle. Moi, bien. 4 ans.
Et ça, pour toi, c'est un travail d'équipe? Oui. Tous les athlètes monégasques prennent cette compétition très à cœur, à l'image d'Anthony, qui a débuté l'athlétisme il y a quelques mois seulement. Aligné sur 200 mètres, il donne tout ce qu'il a jusqu'à se jeter et chuter sur la ligne d'arrivée. Plus de peur que de mal pour le monégasque qui bat à Los Angeles son record personnel. Ces jeux-là, c'est comme si c'était des jeux olympiques vraiment pour les pros, mais c'est différent pour les handicapés, ouais. Ouais, on peut dire ça. Et voilà, c'est... Non, mais c'est bien, il y a une bonne ambiance, c'est vraiment magnifique, voilà. C'est... Malgré sa sixième place au poids, Khadija El a du mal à garder le sourire sur le podium. Cette battante réalise pourtant une belle compétition. Elle participera également avec ses coéquipiers aux 4 fois 100 mètres et terminera quatrième. Malgré cela, c'est un bon bilan pour l'athlétisme. Si on prend dans l'ensemble, bilan, peu de médailles, mais ils ont tous, à chacun de leurs deux épreuves individuelles, fait leur meilleure performance, amélioré leur perf dans les jeux et au final encore amélioré la perf, donc leur record. Et ils ont établi un record de Special Olympique au relais qu'ils avaient déjà établi en divisioning et qu'ils ont battu en finale. Non loin de la piste d'athlétisme de la prestigieuse université de USC, 4 autres sportifs représentent la principauté dans les bassins de la piscine du campus. Stéphane, Olivier, Denis et Karine. Avant d'accéder au final, chaque nageur passe par les épreuves de divisioning, c'est-à-dire l'évaluation du niveau de chaque sportif, afin que les courses soient équitables. L'occasion pour les coachs Christina et Pascal de donner leurs conseils, leur dernier ajustement en vue du podium. Et cela aura marché par équipe avec le relais 4x25 nage libre, où les nageurs remportent le bronze. Celle-là, on est allé la chercher, mais à fond, on est allé. On a été bien reçus, on a fait tout ce qu'on pouvait et j'ai amélioré tous mes temps. Alors, le meilleur, c'est bien. Bronze également pour Olivier sur 50 mètres. Stéphane, lui, récoltera l'argent sur le 50 mètres d'eau malgré une course à sa portée. Denis, pour sa part, gagnera 2 médailles, dont celle en relais. J'ai gagné une médaille d'or et 2 bronze. Premier, crawl et le relais. Crawl, troisième, le relais. C'était bien, j'ai gagné une médaille bronze. Tennis de table, Agnès a déjà le bronze autour du cou en individuel. Elle concourt désormais aux compétitions par équipe avec Sandra et compte bien de nouveau monter sur le podium, mais cette fois-ci avec son amie. Elles sont opposées à l'Afrique du Sud et la Pologne. Agnès et Sandra offrent du beau jeu et trouvent leur équilibre. Elles remportent leur premier match avant de s'incliner face à leur deuxième adversaire. Médaille d'argent pour Monaco qui ne cesse d'engranger les médailles depuis le début des Jeux. Oui, je suis contente, on va mettre derrière Monaco. Comment ça se passe ces Jeux pour vous? Qu'est-ce que tu penses de Los Angeles? C'est beau, mais c'est grand. Et toi, Agnès, qu'est-ce que tu penses de Los Angeles? C'est, comme dit Sandra, c'est super grand, c'est génial quand on est ici. Je ne pensais pas de venir. Je suis très fière de venir ici. Et il y a mes parents qui sont là aussi. Alors, je suis très contente et voilà, on essaie de faire de notre mieux. Et voilà.
Même satisfaction du côté de leur entraîneur Mylène. Si les matchs ont été compliqués en simple pour les filles, le double aura été marqué par l'envie d'Agnès et Sandra de revenir avec une médaille de Los Angeles. Elles les ont beaucoup attendues, elles ont été un peu frustrées aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes avant que ça commence, vu que ça faisait très longtemps qu'elles étaient impatientes de venir ici. Et du coup, je pense que le fait d'attendre de jouer aussi, ça les a un peu perturbées. Au final, elles se rattrapent très bien, elles se mettent dedans sur la fin pour leur double et c'est le plus important. Elles ne rentrent pas les mains vides on est fiers d'elles au tennis de table en tout cas. Ces Jeux mondiaux spécial olympiques, c'est un véritable moment de partage également où la délégation monégasque vit comme une famille. Chaque fin de journée, une partie d'entre elles se rejoint sur le campus de USC, l'autre résidant une vingtaine de kilomètres de là, l'université de UCLA. L'occasion pour les athlètes de faire le point sur leur journée, leurs résultats, de se féliciter ou de montrer fièrement leur médaille à l'image de Thibaut, médaille d'or en athlétisme. L'occasion aussi de lâcher la pression, de se divertir, de laisser une trace de son passage à ces Jeux mondiaux ou de tenir au courant sa famille et l'autre partie de la délégation des derniers résultats du jour. S'il y a eu de belles surprises et des joies sur le podium, ces Jeux peuvent être aussi des moments de doute et de déception. C'est le cas par exemple de Yann qui est passé à côté de ses compétitions à Long Beach. Le champion d'Europe sur 15 et 25 km cette année en Belgique n'aura pas réussi à faire briller son statut à Los Angeles. Il faut dire aussi que le niveau était élevé. Je retiens que je n'ai pas fait la course qu'il fallait et je me suis fait exploser 3 fois de suite et j'ai essayé de m'accrocher mais sans succès et je retiens que j'aurais pu faire mieux, mais voilà, je vais essayer de me réveiller un peu et ça va pas être facile pour les prochains jeux à venir. Au contre-la-montre, Anthony décrochera la médaille de bronze dans sa division, mais l'émotion du jour, on la doit à Philippe sur 5 km. À 47 ans, le Monégasque n'a jamais manqué les Jeux mondiaux. Il vit peut-être ici sa dernière compétition mondiale et est bel et bien déterminé à marquer cela de la meilleure des manières. Pourtant, sur le papier, sa course s'avère compliquée, mais rien ne peut l'arrêter. Philippe donne tout et les efforts paient. Philippe Collins. Il s'offre une médaille de bronze le jour de son anniversaire sous les regards de sa mère, Mireille Calme. Bravo, t'as fait une super course. C'est bien, hein? Le grand savoir comme lui. C'est bien, chérie, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai pleuré tout à l'heure. Et je suis content quand même. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Raconte-nous un petit peu ta course, comment ça s'est passé. Oh, très bien. Oui, je suis content. Ouais, effectivement, beaucoup d'émotions et en fait, ils nous ont prouvé que dans les moments comme ça, ils peuvent se surpasser. Et vraiment, je suis fier de Philippe, fier de tous les athlètes. Ils ont fait des jeux, bon, le niveau était très élevé. Et ils sont arrivés quand même à démontrer que dans des moments comme ça, ils peuvent se surpasser. Là, Philippe, il nous a fait vivre un moment exceptionnel. C'était super, cette finale était vraiment... On va la garder dans nos mémoires pendant quelques années encore. Et voilà. Philippe prouve que malgré son âge, il lui en reste encore beaucoup sous le coude. Il est la preuve de l'esprit spécial olympique que leur a inculqué leur coach. Détermination, courage, volonté et envie. Et il n'est pas le seul à appliquer cet adage. En judo, Amandine a été une véritable tigresse sur le tatami. Rien ne laisse penser pourtant que derrière ce visage d'ange se cache une fille très déterminée. Elle gagnera tous ses combats sur Ippon dans la meilleure division. Une médaille d'or bien méritée. C'est mes premiers jeux. Donc du coup, c'était un peu spécial. Qu'est-ce que tu as ressenti ce soir-là? Ça me faisait bizarre. Le troisième combat était un peu difficile, mais j'ai assuré. Et la finale pour la médaille d'or? J'ai tout gagné. J'ai pleuré, j'étais contente. Clément
notamment concouru lui dans sa division dans la catégorie des moins de 70 kg et ce fut un peu plus compliqué pour lui. Battu à deux reprises, il arrive à marquer des points grâce à sa victoire sur l'Azerbaïdjanais, victoire synonyme de bronze, et sa première pensée est en direction de sa famille à qui il a voulu dédier sa médaille. C'est bien parce que c'était l'expérience aussi. Et j'aime pas trop les combattre, comme j'aime pas l'habitude de les combattre. Mais je suis plutôt technique, moi, que combat. Et du coup, alors, est-ce que tu voudrais dédier cette médaille de bronze à quelqu'un? Oui, à ma nièce et à ma filleule. Du côté de Griffith Park, coup de projecteur sur l'équitation. C'est la première fois que Special Olympics Monaco est représenté dans cette discipline. Et deux cavaliers comptent bien faire honneur à cela. Ils s'appellent Elsa et Julien et participent à trois épreuves d'équitation. L'équitation anglaise qui consiste à juger le comportement du cavalier avec le cheval et la communication qu'il établit avec. Le trail qui est un parcours avec quelques obstacles. Et le dressage où les cavaliers apprennent un programme par cœur et où aisance, posture et exécution des exercices sont jugés. Dans ces trois épreuves, Elsa a récolté à chaque fois l'argent. Pour ses premiers Jeux mondiaux, Julien est lui aussi reparti avec une médaille d'argent bien méritée. Très bien et bon, ça marche impeccable toute la journée. C'est dur à gérer tous les tresses, voilà. Mais sinon ça va bien. Ça va, impeccable. Quatre médailles en tout pour l'équitation, défi réussi pour cette équipe menée par Aurélie au pied levé. Pas simple également lorsque le cavalier ne connaît pas son cheval et doit rapidement faire connaissance avec lui. Oui, c'est vrai que c'était un challenge assez important. C'est la première fois pour eux, c'est la première fois aussi pour nous. Il a fallu qu'on s'habitue au fonctionnement, qu'on puisse être présent malgré tout. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, avec quelques difficultés au début. Ça devrait aboutir. Remarquez, Special Olympics Monaco est plus qu'une simple délégation. C'est une véritable famille qui partage tout. Pendant ce séjour à Los Angeles, deux membres de cette famille célébraient leur anniversaire. Deux membres qui ont un passé commun. À 48 et 47 ans, Stéphane et Philippe ont déjà vécu de nombreux jeux ensemble et ont par la même occasion glané pas mal de médailles. Ils étaient déjà aux États-Unis en 1999 lors des Jeux mondiaux en Caroline du Nord, c'est dire. Ce soir-là, ils avaient tenu à adresser un message sincère et émouvant à leurs amis. Merci beaucoup, anniversaire. Merci beaucoup. C'est un anniversaire de la Philippe. Merci beaucoup. Et je vous aime le tout le monde. Je suis très content pour les médailles. Et j'aime tout le monde. Et après l'émotion, place au rire. Denis fait le spectacle. De quoi bien décompresser après déjà 10 jours de compétition. Avant de découvrir la 8e et dernière discipline dans laquelle Monaco était représenté, coup de projecteur sur l'équipe de foot à 7 unifiés, une équipe qui a l'habitude d'évoluer ensemble depuis plusieurs années et ce dans différents championnats. Elle se compose de 3 partenaires sur le terrain et de 4 footballeurs Special Olympics. Médaille de bronze il y a 4 ans à Athènes, les joueurs de Jacques Morel ont gagné ce jour-là leur place en finale en battant le Nicaragua de 2-1. Ils retrouveront l'Italie en finale. J'ai remarqué que les athlètes Jean comme Alan, Stéphane, sont vraiment présents, eux, sur le terrain, ce qui n'est pas forcément le cas des partenaires, mais à l'art des charges, le partenaire en unifié, c'est compliqué, parce qu'on est à la fois footballeur, on est à la fois éducateur, sportif, coach, encadrant, donc c'est des rôles très, très, très ingrats, beaucoup plus que le mien. Malheureusement, Monaco perdra en finale face à l'Italie 4-3 dans les arrêts de jeu. Petite déception pour les joueurs qui récoltent quand même l'argent. C'est la première fois que l'équipe atteint cette marche du podium. Ça fait quelques années qu'on est sous leur coupelle, quoi, voilà. Et toi ? Moi, pareil, on est tous contents, Fred, tous les athlètes, les partenaires.
Et ça va faire plaisir à Madame Calme. Et à Marco Muratori qui est derrière. Eux auront fait une belle moisson pendant ces Jeux. 3 médailles d'or, une d'argent et 2 de bronze. Il s'agit des tennismen monégasques Jody, Steve, Jérôme et Christophe. Que cela soit en individuel ou par équipe, ils auront maîtrisé leur passage dans la Cité des Anges et plus particulièrement ici, sur les terrains de tennis de l'université de UCLA. C'est l'état d'esprit, ils ont vraiment, comme tu dis, un état d'esprit extraordinaire. C'est une grosse cohésion et ils ont réussi à renverser des montagnes, surtout l'équipe Bender-Matteux qui avait perdu 2 fois en divisioning contre les vaincus de la finale et ils ont fait un réel exploit. Bon, après, concernant Jody et Steve, on connaît leur qualité tennistique. Le mental a suivi et ils ont soulevé des montagnes aussi, donc une victoire extraordinaire. L'équipe de tennis aurait pu faire carton plein, mais la fatigue et la chaleur auront pesé dans la balance. Ils restent néanmoins très fiers de leur performance et auront pu partager des moments avec de grands champions. La médaille d'or, ça m'a ému. C'était bien. Alors je suis content quand je dis parler. Jeudi. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis content. C'était la première fois, donc ça m'a fait plaisir. C'est bien, ça fait plaisir, tout ça, surtout avec Jérôme, tout ça, voilà. C'est sa première médaille, et voilà aussi en tennis, voilà, ça m'a fait plaisir. Soutenus par les autres athlètes monégasques en tribune, les tennismen auront également pu compter sur le soutien d'Isabelle et Maryse, les mamans de Steve et Jody. Pour elles, il était tout à fait normal de faire le déplacement jusqu'à Los Angeles pour encourager leur fils, ainsi que tous les autres sportifs de Special Olympics Monaco. On est très motivés par rapport à ce qu'ils font et on les aime, donc c'est normal qu'on les suive. Voilà, et puis on est très contents qu'ils soient ici surtout et qu'ils aient été sélectionnés pour faire le tennis. C'est une expérience qui est vraiment merveilleuse, une cérémonie d'ouverture grandiose. Sur le plan humain, c'est très très enrichissant et ça permet de découvrir des installations qui sont extraordinaires. Vraiment, on est très 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 contente d'être venue, c'est merveilleux. Evelyne était là, elle aussi, déjà présente en Corée du Sud avec son mari il y a 2 ans. La maman d'Elsa a donné un coup de main à Aurélie cette année. Elle a soutenu Julien et sa fille, Elsa, qui n'en est pas à ses premiers jeux. En fait, c'est sa première compétition en équitation, mais sinon elle a déjà participé au ski, à l'athlétisme. Bon, de toute façon, Elsa est toujours ravie de partir avec Monaco, comme tous les athlètes de la délégation. Ça se passe tellement bien, ils ont des coachs tellement géniaux que ça ne peut être que très bien. Nous sommes le 2 août, c'est la fin des compétitions, la fin d'une nouvelle belle aventure dont les athlètes conserveront un souvenir impérissable. Si certains vivaient en Californie leur 10e jeu, d'autres y participaient pour la première fois. Ces Jeux mondiaux leur auront donné des ailes dans la Cité des Anges. Ça s'est bien passé parce que c'est vraiment des très bons jeux de Special Olympique. Et j'ai très aimé ces jeux parce que Pascal c'était vraiment un très très bon entraîneur de vélo. Je remercie toutes les équipes de Monaco. J'espère que ça va encore bien continuer comme ça. Moi, je ressens que c'est très bien et j'aimerais mieux continuer dans le tennis et dans les affaires. Et voilà. Donc, il faut que je m'applique pour ça. Déjà, c'était mon rêve de venir ici depuis l'âge de 15 ans. Alors, c'était génial. Hein. Je suis vraiment très content de mes résultats. Des bons résultats, mais pas de médaille. Et je suis très contente de participer pour Monaco. Et j'ai passé des bons moments ici, à Los Angeles. Los Angeles aura de nouveau été témoin de très belles performances sportives. La ville qui a connu le quadruple sacre de Carl Lewis au JO de 84, ou encore les nombreux titres des Lakers en NBA. Les 6500 athlètes présents lors de ces Jeux mondiaux auront été une belle preuve de dépassement de soi, à l'image des athlètes de Special Olympics Monaco. Ils ont porté les couleurs et puis je pense qu'avec un groupe comme ça, après on vit 15 jours ensemble. Il est vrai que parfois sur des quelques sports il y a eu quelques accros, mais on ne vit pas 15 jours ensemble quand on est sportif sans qu'il y ait entre guillemets des prises de bec. Je pense que l'ambiance y fait aussi, le dépassement de soi fait que le soir lorsque l'on se retrouve, tu as pu voir sur certains sports, le football qui va encourager le judo qui va encourager le tennis. C'est encore une fois vraiment un gros groupe et puis un bon groupe d'amis. Je voulais rajouter aussi, pour terminer,
toutes les médailles qu'on a, on les dédie à deux de nos athlètes qui n'ont pas pu venir, Gaël Desbordes, à qui on pense fort à lui, et à la petite Rabab qui au dernier moment n'a pas pu par rapport à des problèmes médicaux. Avec un bilan de 23 médailles dont 7 titres mondiaux, Mireille Calme a tenu à rendre hommage aux entraîneurs qui font un travail formidable, n'en déplaise à leurs détracteurs. Ces médailles sont le fruit d'un entraînement réalisé tout au long de l'année. Les athlètes, ils sont ravis. Et puis je dois vous dire que si on arrive à ces résultats-là, c'est parce que nous avons des coachs qui croient vraiment en eux, qui tournent le maximum, qui les entraînent d'une manière régulière depuis des années. Ils font ça avec beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Ils croient en eux et en croyant en eux, voyez, la foi remue les montagnes. Spécial Olympics Monaco il y a près de 40 ans, Mireille Calme ne se doutait pas un seul instant de l'engouement que cela pourrait prendre, et spécialement en principauté. Grâce à elle et au travail des personnes qui l'entourent, les athlètes acceptent leurs différences et savent lutter pour leurs différences. Pendant 10 jours, ils auront fait preuve d'un esprit de compétition sans faille, d'obstination, d'une rage de gagner, de vaincre, la plus belle des récompenses.